Hey, salut tout le monde, ça c'est les Ponts. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 Online pour vous montrer, enfin plutôt vous révéler le 5 indice pour débloquer le revolver de Red Dead Redemption. Donc le 5 indice de tueur en série. On va aller chercher tout de suite. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure les emplacements et voilà pour vous aider si vous voulez faire le défi. Nous voici devant le premier indice donc là nous sommes juste devant la maison de Sherry Pie. Donc vous entendez, il y a un bruit là, une espèce de bruit de film d'horreur. On va aller s'approcher. Là, c'est bien, je fais, c'est pas par hasard hein, si je fais la nuit. C'est pour donner plus d'ambiance. Là, appuyez sur flèche de droite pour examiner l'indice. Voilà. Can you find me? On va voir tout de suite. C'est quoi la traduction? Je suis nul en anglais. Je vais voir tout de suite. Alors, vous allez entendre le bruit du clavier. Google Traduction. Can you find me? Que tu me trouvais? Ah, il m'a donné 5 000 $. Waouh. Ok. Que tu me trouvais? Ah, c'est bien ça. Donc l'indice. Premier indice, on va regarder exactement l'emplacement. Donc là, vous sortez de la ville. Prenez en compte, hein. Regardez bien ici. Regardez bien là. Là, je vous montre bien là, ici autour. Donc regardez bien. Voilà, voilà. Donc là, ici, si vous avez un atelier de la métaphine, donc voilà, c'est juste à côté. Maintenant, on va aller voir deuxième indice. C'est parti, normalement elle est quelque part par là. Deuxième indice, on va aller sur place. C'est parti mes amis. Ah, j'entends, on s'approche. J'entends le même bruit par ici. Et quelque part par là. J'entends du bruit par là. Attendez. J'approche petit à petit. Ah. Il est quelque part par là. Il est juste là. Ah oui, c'est l'indice qui est là. Je sens l'odeur. Depuis au temps de la mort là, c'est comme si j'étais dans le jeu. Le bruit, c'est vraiment effrayant. Hein. C'est vraiment effrayant. Donc je vous montre l'emplacement exact. Là, on est tout pile poil ici. Donc c'est juste là. C'est moi j'appelle ça le terrain de l'aéroport de Trévorme. Donc c'est l'aéroport là. Vous êtes juste là sur le pied. C'est pas très compliqué. On va aller voir ensemble. Bon, appuyez sur flèche pour regarder l'indice. Donc l'indice c'est la main coupée. Ah, c'est effrayant, c'est dégueulasse. Bon, il faut quitter. Ça fait 10 000 $ en tout déjà. Donc 5 000 sur 5 000. L'indice trouvé. Voilà, ça fait 10 000 $ rien qu'en trouvant l'indice. Maintenant, on va regarder le troisième indice. J'entends le même bruit là.
J'entends du bruit du 13e indice. Il est quelque part par ici. J'entends encore le bruit. Ah oui, c'est exactement par là. Ah, nous sommes juste devant. Voilà, l'indice, c'est cette fois-ci, c'est chez. Comment ça s'appelle ça? C'est une machette, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, encore une fois, ça donne 5 000 $. Bon, 5 000 $, ça fait 15 000 en tout déjà avec 3 indices. Allez, maintenant on va attaquer. Ah bah attendez, je vais pas aller trop vite. Hein. Je vais pas aller trop vite, il faut pas aller trop vite. Il faut d'abord vous montrer l'emplacement exact. Donc moi, je me suis fait comme ça. Donc par rapport à l'aéroport de Trévoix, encore une fois, j'ai compté ici 1, 2, 3. Donc c'est au troisième trait, enfin troisième route, c'est exactement ici. Voilà, vous êtes pile poil dessus. Donc là, c'est troisième indice. Maintenant, on va aller au quatrième indice, mes amis. C'est pas très compliqué hein, d'entendre l'indice. Depuis la route, si on monte le son un peu plus fort, on l'entend. Donc l'indice, il est quelque part par ici. Bon, on va chercher ensemble pour être sûr. Parce que j'entends là. Plus je me rapproche, je l'entends. Ah, donc pour moi, ça a commencé par ici. Hein, évidemment. Ah, là, voilà, nous sommes devant l'indice. Bon, il faut que je me mette devant pour être sûr. Donc là, j'appuie sur la carte encore une fois. Donc pour les habitués de GTA 5, bon, vous savez sûrement cet endroit, mais je vais quand même vous montrer l'emplacement. Donc là, vous avez camp militaire qui est ici. Vous continuez. Et hop, vous arrivez... cette intersection là, bah vous tournez à gauche et c'est exactement ici. Voilà, vous êtes arrivé pour le quatrième indice. Il faut appuyer sur flèche de droite. Ah, c'est plutôt petite comme main. On a l'impression que c'est une main d'un enfant. Ouais, on dirait que c'est une main d'un enfant. Il n'y a rien d'autre. Allez, encore 5 000. Pour ces quatrième indice, 5 000 $ empochés. Ah, je commence à être riche. Hein. Je suis un bon détective, moi. Allez, pour le cinquième et dernier indice, j'espère que ça ne va pas être très compliqué. Vous avez 5 spawns différents et que vous devez rendre... faire les allers-retours. Parce que moi, j'ai dû faire beaucoup d'allers-retours, mes amis. Pour le trouver enfin, parce que ça spawn pas tout de suite en fait. Donc je vais vous montrer les 5 endroits là où j'ai trouvé le mien. C'est là, voilà, c'est juste à côté l'autoroute et la route du train, le rail du train. Donc le 5, il y en a un ici. Hop, vous montrer le 5. Là, il y en a un ici. Maintenant, ici, il y en a un aussi quelque part. Hop là, j'ai un petit peu de difficulté avec les emplacements. Attendez, il y en a un autre ici. Tout juste là, sur le point. Voilà, ici. Après, il y en a un autre ici quelque part. Par là. Attendez. Ici, il y en a un autre aussi, par ici. Ensuite, le dernier, ce sera un petit peu, enfin, il y a encore un autre. C'est pas le dernier, mais il y a encore un autre ici. Hop, ici, tout juste là,
normalement. Et le dernier, c'est quelque part par ici. Quelque part par là, c'est là. Donc ce sera derrière cette truc d'eau là. Voilà, donc vous devez vous rendre plusieurs fois aux 5 endroits. Tant que vous ne trouvez pas, bah, vous faites les allers-retours. Donc pour ma part, moi j'ai trouvé dernière énigme, hein, c'est là. Voilà, on a tout ce que on a tout ça. Donc à l'intérieur, j'imagine que c'est pas des chocolats, hein. C'est pas des bonbons non plus, mais c'est plus des cadavres. Voilà, j'appuie et maintenant j'encaisse le 5 000 $. Maintenant, les 5 indices. Ah, j'en ai marre que tu m'aides de ce que tu regardes. Pas, alors, je vais pas te mentir. Ce qui va t'arriver, tu vas pas aimer. Ok. Bon, ça, c'est le message que peut-être le tueur qui me laisse. C'est sûrement, hein, c'est sûrement le tueur qui m'a laissé. Bon, maintenant qu'il fait 19h, je pense qu'il va pas tarder à arriver. On va regarder l'heure. Oh, 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 oh. Ne m'écrasez pas, s'il vous plaît. Normalement, il va apparaître sur le radar. Il faut juste attendre un petit peu. N'oubliez pas de vous rendre à cet endroit. Ici, tout juste ici. Voilà. Vers la nuit. Oh, oh, oh. Mais voilà, 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 voilà. Il apparaît. Il est là, l'assassin, il est là, le tueur en série. Il m'a attaqué en surprise. Là, il veut absolument me tuer. Hein. Ah, il m'a fait mal quand même avec, avec sa hache là. Et c'est pas une hache, mais c'est... comment ça s'appelle? Une machette. Ah oui, là, il veut vraiment me tuer. Il a la haine. Hein. Il a la haine de le mec. Hein. Alors que je peux juste faire ça, hop. Est-ce que je vais faire, est-ce que je vais le combattre à la loyale? Viens, viens. Viens, allez, attaque-moi. Vas-y, vas-y. Voilà, à la loyale. Est-ce que t'as senti ça? T'as senti ça pendant que tu tuais les gens? Hein? Tu l'as senti ou pas? Tu l'as senti? Est-ce que t'as senti? Vas-y. Bon, bon, vas-y, lève-toi là. Ah, mais il peut pas se lever. Ah, ben non, tueur en série éliminé. Vous possédez maintenant le revolver de Navy. Ok, bon, maintenant qu'il est mort, je vais peut-être le découper. Hein. Faire comme les autres. Hein. Effectuer 50 éliminations avec revolver Navy dans GTA 5 Online pour obtenir les récompenses de GTA et débloquer cette arme exclusive dans Red Dead Online. D'accord. Bon, mais moi je vais m'arrêter là pour l'instant, mes amis. On fera pour une prochaine vidéo, hein, les 50 éliminations. Je pense qu'on va bien s'amuser. En tout cas, je vous invite à cliquer sur le like, de faire partager. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.